Merci, Président. Bonjour à tous. Alors, quand un candidat à la présidence de la République, je ne citerai pas de nom, déclare qu'il n'y a pas de culture française et que la colonisation fut un crime contre l'humanité, on peut penser qu'il ignore encore plus l'existence d'une culture authentiquement algérienne, née dans ce creuset de civilisation que fut l'Algérie, et où se sont rencontrés des hommes et des femmes venus de toute la Méditerranée et d'ailleurs encore. Et comment une culture ne serait-elle pas née au cours de ces 132 années pendant lesquelles les gens qui vivaient là-bas allaient se côtoyer à l'école, dans la rue ou dans le bled, apprendre à se connaître et bâtir ensemble un pays neuf ? Comment cette mêlée d'âmes n'aurait-elle pas produit des effets sur le plan de la culture, du langage, de l'art et de la littérature, tout comme l'identité américaine que personne ne nie s'est forgée à partir de la vieille souche anglaise. Et bien de la même manière, une identité algérienne est née de la rencontre d'une multitude de communautés venues de tout le bassin méditerranéen, mais aussi, vous le savez bien, du nord de la France avec les déportés de la Commune ou les émigrés alsaciens lorrains après la défaite de 1870. Et tous ces immigrants allaient rencontrer les Berbères, les Arabes et les Juifs d'Afrique du Nord. Au début, ce fut la surprise, la curiosité, parfois l'hostilité, mais aussi parfois la satisfaction de voir la France chasser la régence turque, présente depuis 1515. Ce fut bien sûr le cas des esclaves chrétiens libérés, mais aussi des juifs qui, comme le rappelait Jean-Pierre Simon tout à l'heure, avaient jusque-là un statut de dhimmi, c'est-à-dire qu'ils étaient soumis à une sorte de contrat régissant la vie des non-musulmans, à des brimades, voire parfois à des massacres. C'est dire à quel point d'ailleurs les juifs d'Algérie, d'Afrique du Nord, ont vu... L'arrivée des Français fut une délivrance. Alors, sans remonter jusqu'à Saint-Augustin, parce qu'il faut aller vite, ou à Juba II, on peut constater que cette terre de rencontres et de fusion culturelle donna matière à d'innombrables écrits au fil de son histoire. Les récits de captifs des pirates barbares, comme Cervantes, ou de missionnaires partis racheter des esclaves, les écrits de scientifiques envoyés en mission par les rois de France, de médecins, de géographes ou de naturalistes, puis les récits des militaires après le débarquement de Sidi Férouche et la prise d'Alger, mais aussi des écrivains, de journalistes appelés par les généraux pour graver leur mémoire dans le marbre de l'histoire, comme par exemple Charles Nodier, chargé par le duc d'Orléans d'écrire le récit de l'expédition des Portes de Fer. Puis arrivèrent des voyageurs, des écrivains, des poètes, mais aussi des peintres, curieux avant tout d'exotisme oriental. Et au début du XXe siècle, la littérature deviendra plus réaliste et commencera à faire une petite place au langage naissant dont nous parlera Jean Monneret cet après-midi. Mais en 1954, l'insurrection éclate, la littérature va devenir plus politique, plus guerrière. Et en 1962, c'est la rupture violente et l'exode d'un million de personnes, dont beaucoup écriront leurs souffrances et leurs déracinements. Puis le temps cicatrisant les plaies, les pieds noirs vont s'attacher dans des milliers de livres à sauvegarder la mémoire de leur terre natale, de leur histoire, de leurs villes et villages, de leurs familles, de leur folklore, et à faire vivre de cette façon encore leur culture. Mais revenons sur quelques temps forts de cette évolution, et en particulier sur la naissance et l'évolution de l'algérianisme. Alors, il faut remonter tout d'abord, pour pouvoir distinguer les algérianistes ensuite, aux orientalistes. À partir de 1830 et jusqu'au début du XXe siècle, ce sont donc des romanciers, des poètes, des peintres parfois, qui viennent en Algérie chercher de la couleur locale, et pas autre chose. Ils dépeignent l'Algérie qu'ils avaient déjà en tête, et comme le disait Pierre Martineau, chacun apporta de France son Algérie toute faite, et comme ils passèrent très vite, ils n'eurent que très peu à la retoucher. Ils sont venus d'images illustrant leur vision exotique, ignorant les Français, les militaires, dont la présence gêne même
leur recherche d'orientalisme. Théophile Gautier, par exemple, a écrit « Un pays superbe où il n'y a que les Français de trop ». Alors donc, on peut classer dans cette catégorie, mais je ne vous l'apprends pas, Eugène Fromentin, Alphonse Daudet, avec Tartarin de Tarascon, Maupassant, les frères Goncourt, Flaubert, Feydeau, Gide et bien d'autres. Alors après les orientalistes, passons aux précurseurs de l'algérianisme. Et je citerai principalement ici Louis Bertrand, qui accédera à l'Académie française en 1925, au fauteuil de Maurice Barrès. Lui aussi arrive de France en 1891, non pas pour un bref séjour, mais comme professeur de rhétorique au lycée d'Alger. Il ne vient pas chercher particulièrement de l'exotisme, mais il entend toutefois fuir la tristesse du provincialisme français de la fin du XIXe siècle, l'académisme et les convenances. Et il découvre avec émerveillement le petit peuple d'Alger, mais aussi les routes du sud, Tipaza et autres vestiges romains. Et il va se faire le chantre de la nouvelle race française d'Algérie. Son œuvre est une véritable œuvre d'amour fondée sur l'exaltation des racines latines de cette nouvelle civilisation. Il est avide de sensations fortes et neuves et il va trouver ce qu'il cherche dans ce petit peuple neuf d'Algérie, d'où ses nombreux romans réalistes et hauts en couleur, comme « Le sang des races »,« La Sina »,« Pépette le bien-aimé » ou « La concession de Madame Petitgand ». Alors c'est bien de parler d'auteur, mais c'est bien aussi des fois de donner quelques petits éclairages. Alors, pour aller vite, j'en ai supprimé beaucoup, mais je vous lis quand même un petit extrait du « Sang des races » de Bertrand. « Ce que j'aperçus d'abord, ce fut le labeur silencieux de la terre, les hommes qu'il a défrichés, qui asséchaient les plaines marécageuses, qui semaient le blé, qui plantaient la vigne, qui bâtissaient, véritables mêlées cosmopolites de mercenaires, de colons, de trafiquants de toutes sortes. Ce sont eux que j'aperçus d'abord quand je cherchais l'Algérie vivante, active, celle de l'avenir. Je pensais déjà, ce que je n'ai pas cessé de crier depuis, que la France, fatiguée par des siècles de civilisation, pouvait rajeunir au contact de cette apparente et vigoureuse barbarie. » Alors pour Bertrand, ces hommes d'Algérie ne faisaient que renouer avec leurs racines latines, racines latines d'Afrique bien sûr, après avoir coupé celles qui les rattachaient à leur pays européen d'origine. Et ce patriotisme terrien, cette exaltation de la latinité retrouvée, lui ont peut-être fermé les yeux sur d'autres réalités profondes de l'Algérie. Tout en affirmant qu'il n'est pas l'ennemi des musulmans, il exclut totalement la composante arabo-berbère de ce pays en création. À la dignité et à la fière allure des Arabes évoqués par l'orientaliste Fromentin, Bertrand, lui, va opposer l'uniforme linceul de chaux de l'islam qui n'a apporté que la misère, la guerre endémique, la barbarie et a détruit l'œuvre des Carthaginois et des Romains. Il reconnaît toutefois que les vrais fils de la terre, les berbères indigènes, ont résisté de leur mieux à l'envahisseur asiatique et oriental. Alors, un petit extrait du « Sang des races ».« L'Afrique latine perçait pour moi le trompe-l'œil du décor islamique moderne. Elle ressuscitait dans les ruines les colonies, des colonies et des municipes dont Rome avait jalonné son sol. L'Afrique d'Apulée et de Saint-Augustin surgissait devant moi. » L'Afrique du Nord, pays sans unité ethnique, pays de passage et de migration perpétuelle, est destiné par sa position géographique à subir l'influence ou l'autorité de l'Occident latin. Et sans la latinité, précise-t-il, l'Afrique du Nord retombe à son anarchie congénitale. L'hégémonie latine lui a valu des siècles d'une prospérité qu'elle n'a jamais connue avant et qui, enfin, lui a donné pour la première fois un semblant d'unité, une personnalité politique et intellectuelle. Alors, si Bertrand a ouvert la voie aux algérianistes en exprimant sa sympathie et son admiration pour ce peuple neuf et vigoureux d'Algérie, les algérianistes s'en éloigneront à cause de la vision partielle des réalités, à cause de sa vision due à un sentiment trop exacerbé de la latinité. Alors, on peut dire que Bertrand a certes joué un rôle d'éclaireur, mais en éclairant qu'une partie du spectre culturel algérien.
D'autres écrivains ont également marqué cette évolution vers l'algérianisme, comme Auguste Robinet, qui signait Musette et fut le premier à écrire dans la langue qui se formait pour raconter la vie du petit peuple d'Alger à travers les aventures de son héros Cagayus, dont nous parlera sans doute Jean Monneret cet après-midi. Et il fait dire à ce dernier, à qui on demandait la nationalité, une réplique restée célèbre, « Algériens nous sommes ». N'oublions pas en effet que le terme « algérien » désigna d'abord et pendant longtemps les Européens d'Algérie. Citons aussi John-Antoine Nau qui obtint le premier prix Goncourt en 1913 pour son roman « Cristobal, le poète » et qui lui aussi a exalté ce petit peuple heureux de vivre, généreux, bruyant et passionné. Alors l'algérianisme. Mais l'algérianisme, c'est d'abord un courant littéraire né au début du XXe siècle à Alger, où quelques intellectuels prirent conscience que dans ce creuset que constituait l'Algérie française, une culture nouvelle et autonome était en train de naître. Jean Pommier et Robert Randeau furent les deux principaux artisans de ce courant. Pommier, né en 1886 à Toulouse, jeune attaché de préfecture nommé à Alger, est aussi poète. Il rencontre de jeunes écrivains comme Louis Lecoq, Charles Agel ou René Hugues. Ils se réunissent fréquemment entre 1910 et 1914, mais la Grande Guerre arrive et va interrompre leurs échanges qui ne reprendront qu'en 1920. Pommier a surtout écrit des poèmes et des articles de revue. Sur ses vieux jours, revenu à Toulouse, il publiera plusieurs livres, dont « Chronique d'Alger » ou « Le temps des algérianistes », dans lequel il raconte précisément la naissance du mouvement algérianiste. Autre pionnier de l'algérianisme, Randeau, de son vrai nom Robert Arnaud, c'est lui un vrai pied noir, né en 1873 à Alger, et malgré une carrière coloniale en Afrique noire, il garde le contact avec l'Algérie, et en particulier avec son ami Louis Lecoq, un autre écrivain. Quatre des romans de Rambaudot ont pour thème l'Algérie, les colons, les algérianistes, Cassar le berbère et le professeur Martin, petit bourgeois d'Alger. On a qualifié ces livres de romans de la patrie algérienne. Alors, les caractéristiques de ce courant littéraire. Tout d'abord, l'algérianisme se défend d'être une école au sens académique. Les écoles littéraires et les modalités de l'expression ne nous préoccuperont pas outre mesure, disait Pommier dans la déclaration Algériennement, publiée dans le premier numéro de la revue Afrique. L'algérianisme se voulait donc un mouvement d'approfondissement de l'autonomie de cette exo-France qu'était l'Algérie. Il fallait exprimer toute l'Algérie, mais rien que l'Algérie. Il ne s'agissait pas de jouer au séparatisme vis-à-vis de la France, ni d'ignorer les indigènes, et sans rejeter la thèse bertrandienne de la latinité, le nouveau peuple devait englober les Arabes et les Berbères qui devaient pouvoir s'exprimer à l'intérieur du mouvement. Ainsi, Jean Pommier fut-il le premier à annoncer la parution du roman d'Abdelkader Fikri, Zora, la femme du mineur. Les algérianistes réfutent le goût de l'exotisme, l'orientalisme de bazar et le romantisme qu'ils jugent périmé. Moqueur, Jean Pommier parle à ce sujet de la triade du chameau, du palmier et de la mouquère. Ce mouvement se voulait aussi, sous l'influence de Randeau, une philosophie de l'effort, un effort d'âme, précisera Pommier. Et les thèmes chers aux algérianistes, eh bien, c'est l'Algérie, c'est son peuple, ses petits métiers, la rue, le bled, la mer, l'effort, la joie. Une journée de promenade dans un faubourg d'Alger, disait Randeau, ou dans les vergers du Sahel, me suscite plus d'éléments d'écriture qu'une bibliothèque de documentation. Leur style est spontané, non académique, il fait place au langage en création. Parmi les écrivains algérianistes, on peut citer, outre ce que je viens de citer, Paul Achard, Lucienne Favre, Ferdinand Duchesne, Élis Araïs, René Janon ou encore Marcelo Fabri. Ce jeune courant littéraire, jusque-là informel, commence à se structurer en 1920. Son premier acte est la publication d'une anthologie intitulée « De 13 poètes algériens » et contenant les poèmes de ces pionniers de l'algérianisme, Charles Courtin, Charles Agel et d'autres.
La préface de ce recueil constitue un véritable acte fondateur. Elle était signée par Rando et précisait que la mission de ce livre est de faire surgir du sol natal une intellectualité, de reconnaître une autonomie esthétique. Un peuple qui possède sa vie propre doit posséder aussi une langue et une littérature à lui. Et, ajoute Rando, notre entreprise n'est point le manifeste prétentieux d'arrière-boutiquier de la poésie, de lointain et stérile plagiaire de maîtres parisiens. Elle constitue un acte de foi envers ce pays dont nous sommes tant orgueilleux d'être les enfants. Et dans un discours prononcé en 1922, Rando déclare également « Ce n'est pas en Algérie et dans nos rangs qu'il faut chercher les protagonismes du séparatisme algérien. C'est chez les écrivains de France qu'a été conçue et développée cette idée affolante qu'aucune entente n'est possible entre nous et nos compatriotes musulmans. C'est de la France que s'est abattue sur le monde cette littérature de propagande anti-française. C'est ainsi qu'est née la légende du colon féroce, abandonné à ses instincts, coupeur de tête et sadique. Un esprit commun naît à la longue. L'unification des races sera peut-être l'œuvre des siècles. Il est fatal qu'elle se réalise dans l'avenir. » Une autre phrase de Rando, extraite là d'une lettre adressée à son ami Groisard en 1931. « Nous sommes des initiateurs, les pionniers d'une pensée française originale. Nos pères ont défriché le sol, les fils défrichent l'esprit. » Alors ce mouvement va se structurer. Les algérianistes décident de se doter de trois moyens d'action. Et principalement Pommier a été l'artisan de cette structuration. D'une part, l'Association des écrivains algériens, créée en 1918 et dont Louis Lecoq sera le premier président. Le Grand Prix littéraire de l'Algérie, créé lui en 1921 et décerné pour la première fois à Ferdinand Duchesne pour son roman Tamila, paru chez Albin Michel. Et le dernier de ces prix sera décerné en 1954 à Marcel Moussy pour Sancho, paru chez Gallimard. Troisième pilier de cette structuration, la revue Afrique, dont le premier numéro paraît en 1924 et le dernier en 1960. Dans les années 20 et 30, nos écrivains se retrouvent régulièrement au Café Gruber, sur le front de mer. Et c'est là qu'un beau jour de 1931, au cours d'une discussion entre Pommier et Rando, le mouvement va trouver son nom. Rando disait « Nous avons créé un genre littéraire bien à nous. Oui, interrompt Pommier, l'algérianisme », en s'inspirant du titre du roman « Les algérianistes » publié 20 ans plus tôt par Rando. « Exactement », répondit Rando. Ces propos étaient rapportés par Pommier lui-même. Voilà, le nom était né et complétait donc cette œuvre de structuration. Les algérianistes ne rejetaient pas totalement l'apport de Bertrand dans leur prise de conscience. Et sur son rôle de précurseur, on peut par exemple citer cette belle dédicace que lui a adressée Paul Achard à la première page de son roman « L'homme de mer ». À Louis Bertrand qui nous a révélé ce pays, à nous qui y vivions sans l'avoir jamais vu. La transition n'a pas été d'ailleurs très nette entre ces générations, on peut dire, d'intellectuels algériens. Ainsi, Rando soulignait-il la réaction du Français d'Algérie, héritier des Romains, contre l'envahisseur arabe. C'est presque du Bertrand. Mais à nouveau, la Seconde Guerre mondiale, cette fois, va venir interrompre l'essor de ce mouvement, tandis qu'un autre courant se fait jour avec l'école d'Alger, à laquelle les noms d'écrivains comme Gabriel Odizio, René Jean-Clos ou Emmanuel Robles sont restés attachés. Et Pommier va reprocher à ce courant de diluer l'identité algérienne dans un méditerranéisme impersonnel et trop large. Au lendemain de la guerre, de nouveaux écrivains vont encore illustrer la pensée algérianiste, comme Edmond Bruat avec la parodie du Cid et les fables bonnoises, ou encore Jean Brune, ce grand écrivain injustement négligé par la critique à cause de ses idées très engagées pour l'Algérie française, mais dont le livre « Cette haine qui ressemble à l'amour » restera sans doute l'un des chefs-d'œuvre de la littérature algérianiste. De même, on ne peut pas passer sous silence la grande saga algérienne de Jeannine Montupé sous le titre « La Fontaine Rouge » ou encore « L'Algérie de Papa » de Jean Bogliolo.
Et dans ces livres, il y aurait certainement matière à inspiration pour des cinéastes qui accepteraient de se débarrasser de leurs préjugés et de consacrer à cette belle épopée algérienne quelque autant en emporte le sirocco. Alors, l'algérianisme n'est pas étranger, sans jeu de mots, à l'œuvre de Camus. N'écrivait-il pas dans la présentation de la revue Rivage en 1938 « À l'heure où le goût des doctrines voudrait nous séparer du monde, il n'est pas mauvais que des hommes jeunes, sur une terre jeune, proclament leur attachement à ces quelques biens périssables et essentiels qui donnent un sens à notre vie, mère, soleil et femme dans la lumière. Ils sont le bien de la culture vivante, le reste étant la civilisation morte que nous répudions. » Il est vrai qu'un pommier ou un rando aurait pu écrire ces lignes. La même année, Camus déclarait aussi « À ce peuple neuf dont personne n'a encore tenté la psychologie, il faut une langue neuve et une littérature neuve. Il a forgé la première pour son usage personnel, il attend qu'on lui trouve la seconde. » Et il contribuera lui-même magnifiquement à l'émergence de cette littérature. Notre ami Wolf Albès, un Allemand docteur en littérature française, a consacré d'ailleurs un livre au point commun entre Camus et Jean Brune, qui furent condisciples au lycée d'Alger. Et il écrit que face au drame de l'Algérie française, leur réaction a été unanime. Ils insistaient sur le droit des hommes à ne pas être chassés de leurs souvenirs d'enfance. Il est vrai qu'après avoir lancé un appel infructueux à la trêve civile et après avoir démissionné de l'Express dont les positions étaient devenues pro-FLN, Camus n'hésita pas à faire scandale à gauche en déclarant à un jeune objecteur lors de la remise de son prix Nobel en 1957 « Entre ma mère et la justice, j'aime mieux ma mère ». De même, dans un numéro de la revue L'Algérianiste de 2008, Georges Pierre Mourant a consacré un article à Camus et l'algérianisme, et il y rappelle que Camus repoussait l'idée de livrer l'Algérie au FLN en lançant cet avertissement. Cela aurait des conséquences terribles pour les autochtones comme pour les Français. Et Mourant rappelle aussi cette phrase de Camus écrite en 1948 dans la revue Méditerranée, « Je n'écrirai rien qui ne soit en quelque mesure lié à cette terre dont je proviens. » Le dernier roman de Camus, posthume et inachevé, Le premier homme, paru de façon inattendue en 1994, est d'ailleurs un livre très algérianiste. Il y dépeint les petits détails de la vie quotidienne à Alger, mais aussi le dur labeur des colons, et en quelque sorte réhabilite la colonisation au travers du personnage de Lucien Cormery, qui ressemble fortement à son père, ou du vieux colon Veillard. Un petit extrait encore de l'article de Mourant qui résume assez bien ce rapport entre Camus et l'algérianisme. Sans faire partie de leur groupe, Camus fut proche des algérianistes. Il a eu avec beaucoup d'entre eux des liens d'amitié. Il n'était pas très éloigné de leur position et l'on retrouve dans ses pages algériennes nombre de leurs thèmes. Entre les algérianistes et Camus, il y a continuité plutôt que rupture. Son enfance, sa jeunesse, comme la leur, ont été imprégnées par l'Algérie. Il y a passé les deux tiers de sa vie. Puis, à l'époque du malheur, il a fait, mais en vain, cet effort d'âme cher aux algérianistes pour rapprocher les communautés. Voilà, alors pour terminer, parlons du... J'ai encore un petit peu de temps. Oui. Du renouveau de l'algérianisme ou de l'algérianisme de l'exil. Après la tourmente de 1962, on ne donnait pas cher de la survie de cette culture française d'Algérie. Et pourtant, en 1973, un mouvement allait voir le jour, le cercle algérianiste. Il faut remonter un petit peu en arrière pour en trouver l'origine. En effet, 10 ans plus tôt, se créait à Toulouse l'amicale universitaire Pied Noir, qui réunissait une cinquantaine de jeunes pour des activités de loisirs et déjà culturelles. C'est au cours d'une réunion de cette amicale dans un café de la place du Capitole que ses étudiants virent surgir un homme âgé à la belle moustache blanche, lavalière au cou, cape noire sur les épaules et large béret sur la tête. C'était Jean Pommier qui habitait à 2 pas et avait eu vent de ses réunions. Il parla ce jour-là de sa vie en Algérie, de l'algérianisme, de ses rencontres avec des écrivains prestigieux, Camus, Monterland, Rando, Duhamel et d'autres.
et les jeunes pieds noirs l'écoutaient religieusement. Ils lui proposèrent de revenir pour évoquer encore cette culture d'Algérie, leur culture, dont il découvrait la genèse. En 1969, cette amicale va disparaître pour se fondre dans le Front national des rapatriés, à la suite d'un appel à l'unité du général Jouhaud. Mais en janvier 1973, ce mouvement jeune se saborda à son tour au vu du constat d'échec de l'unité des associations. Et c'est alors, sous l'impulsion de ce petit groupe de jeunes, qu'allait naître le cercle algérianiste. Tout en se déclarant solidaire des revendications matérielles de ses aînés, de leurs aînés, ils se proposaient de prendre en charge, eux, l'action culturelle et la défense de l'identité pieds-noirs. Le premier président d'honneur fut Jean Pommier, suivi par Paul Belmondo, puis Fernand Arnaudiès et enfin Alain Mimoun. En 1974, le cercle publie un manifeste qui suscite des réactions encourageantes. Dans le même temps, se crée à Aix-en-Provence, très parallèlement, le CDHA, avec un but spécifique dont nous parlera Jo Pérez cet après-midi. En avril 1975, est créé le premier prix littéraire algérianiste, attribué à Jean Brune pour l'ensemble de son œuvre, à titre posthume, et paraît le premier numéro de la revue l'algérianiste. Cette revue qui, avec ses 150 pages trimestrielles, figure désormais dans de nombreuses bibliothèques publiques et privées, françaises et étrangères. Aujourd'hui, en 2017, avec plusieurs milliers d'adhérents, le cercle algérianiste possède aussi une quarantaine de cercles locaux. Il est capable d'organiser de grandes manifestations, comme l'inauguration du mur des disparus et du centre de documentation de Perpignan, ou le forum littéraire de 2009 à Aix-en-Provence, et il a prouvé par des actions de masse contre le 19 mars ou le film Hors la loi qu'il n'avait pas perdu non plus son caractère militant. L'algérianisme moderne a repris le flambeau des pionniers de 1920. Il s'est inspiré de leurs pensées et de leurs moyens d'action. Mais sur la base de cette filiation, il se veut plus large dans sa conception. Il n'est plus un simple courant littéraire, mais englobe aussi l'histoire, les drames humains, le folklore, la peinture, le théâtre, le cinéma, enfin tout ce qui fait une culture. Il ne rejette ni Bertrand, ni Rando, ni Camus, ni le berbère Ficri. Et à la défense de la culture et de l'identité, il ajoute le combat pour la mémoire. Sur le plan littéraire, une nouvelle génération d'écrivains est apparue en France avec Fulgence, Augustin et Bazizène, Henri Martinez, André Rosfelder, Marie Elbe, Francine Dessaigne, Daniel Saint-Amand et bien d'autres. Dans la chanson, Jean-Pax Méfray ou Jean-Paul Gavineau expriment aussi l'algérianisme à leur façon et sont venus relayer un Enrico Macias dont l'algérianité s'était quelque peu émoussée. Et l'algérianisme renaît jusque dans la cuisine, puisque, comme vous pouvez le constater, chaque ville de France a désormais au moins une boulangerie ou pour pas que vous pourrez acheter une mouna. Alors, quel avenir pour cet algérianisme ? Les associations culturelles pieds-noirs se portent toujours bien, en particulier le cercle algérianiste et le CDHA. Un travail non négligeable est aussi réalisé par d'autres associations, comme Jeunes Pieds-Noirs ou de nombreuses amicales et des sites internet de plus en plus. La production littéraire des Français d'Algérie est toujours abondante. Il suffit pour s'en convaincre de se rendre sur le site de la librairie Pieds-Noirs, par exemple. Le travail de mémoire apparaît comme une nécessité, comme un devoir. Et toute cette mémoire écrite restera et servira à l'histoire. Mais pourraient aussi subsister des attitudes, des valeurs qui se transmettent principalement dans le cadre familial. L'esprit pionnier, l'esprit d'entreprise, l'enthousiasme, la fierté, la solidarité, le sens de la famille, le sens de l'honneur. Ainsi, la culture des Français d'Algérie ne sera pas seulement un objet de musée, mais elle pourra aussi demeurer vivante. Certes, les jeunes ne seront plus des pieds noirs comme leurs parents, ils le seront à leur façon, plus apaisés, plus intégrés. Et dans cet héritage culturel, peut-être subsistera-t-il aussi le sentiment de révolte contre le déni manifesté par la France envers leurs aînés, déni de la réalité historique et humaine de ce que fut l'Algérie française,
de reconnaissance de l'œuvre accomplie, déni des souffrances endurées par leur famille à la fin tragique de cette page d'histoire et lors de l'Exode, déni de culture enfin, car, comme l'écrivait en 1987 Pascal Diener, professeur à la faculté de droit de Bordeaux, les Français n'ont jamais essayé de comprendre ce qui se passait à 700 km de leur côte. Quant à nous, pieds noirs, ils nous ont cédé un strapontin dans leur culture sous le masque de la caricature, l'odieux et le ridicule en escorte. Tous colons oppresseurs, tous riches et uniques responsables d'une guerre et de ses excès, avec en contrepoint l'accent pied noir que de médiocres amuseurs publics et publicitaires exploitent et quelques coutumes culinaires. Les Français d'Algérie ressentent toujours comme une provocation les deux bouts du bâton avec lequel on frappe inlassablement leur mémoire. D'une part, la glorification du FLN et de la libération algérienne du joug colonialiste. D'autre part, la repentance unilatérale pour l'occupation aliénante de l'Algérie. Et face à cela, le silence quasi général sur les aspects positifs des 132 ans de cette présence française, sur les crimes commis par le FLN, y compris contre les populations musulmanes, sur le massacre des Harkis, ceux du 26 mars, du 5 juillet 62, sur la grande fraternisation du 13 mai 58, sur l'exode de 1962 et la tiédeur de l'accueil de ces migrants de l'époque. Ces dénis, ces injustices, les jeunes les ont ressentis, ils les ont appris dans leur famille et ils les incitent parfois à s'approprier, je pense qu'ils les incitent consciemment ou non à s'approprier le combat de leur père pour une mémoire juste. L'absence de reconnaissance, d'ailleurs, constitue un levier, une motivation à agir. Une autre caractéristique de l'algérianisme de demain viendra peut-être aussi des mains qui commencent à se tendre de part et d'autre de la Méditerranée. Il m'arrive parfois de dire que la réconciliation sera plus facile avec les Algériens qu'avec les Français. Malgré la pensée unique qui sévit aussi en Algérie, des intellectuels courageux manifestent leurs sentiments algérianistes, comme Boualem Sansal, qui n'a pas hésité à écrire « En un siècle, à force de bras, les colons ont, d'un marécage infernal, mitonné un paradis lumineux. Seul l'amour pouvait oser pareil défi. 40 ans est un temps honnête, ce nous semble, pour reconnaître que ces foutus colons ont plus chéri cette terre que nous, qui sommes ses enfants. » Voilà, les jeunes devront tout mettre sur la table, faire le tri. Ils nous reprocheront sans doute tel ou tel fait ou comportement. Ils n'auront plus au ventre la même rabia que leurs aînés, mais ils apporteront dans la France de demain ce petit gène ultramarin qui fera leur singularité et peut-être leur fierté. Certes, ils auront aussi leurs détracteurs, certes, ils seront moins nombreux que leurs anciens à revendiquer leur identité, mais ils continueront à leur façon, dans le concert des provinces françaises, à faire vivre cette petite flamme algérianiste qui est en fait tout simplement l'âme du peuple français d'Algérie. Je vous remercie. Je voudrais remercier très vivement M. Calmin. Il nous a fait un exposé tout à fait revigorant. Voilà. Au début, j'avais peur qu'on assiste simplement à la détection du fond sonore de l'univers, là, le reste du Big Bang. Et puis finalement, au fur et à mesure que les ondes électromagnétiques passaient dans l'espace, on voyait renaître un nouvel univers. Et ben, je vous en remercie parce que c'était très encourageant. Et puis c'est bien de revenir sur les réalités, parce que c'est ce que vous avez fait en nous disant comment cet algérianisme était né, avec qui, dans quel contexte, avec quel thème, comment il s'était développé et comment il, je crois, pouvait rester vivant. C'est la raison pour laquelle on vous a demandé de venir travailler aujourd'hui dans ce colloque. Vous n'avez pas parlé de la villa d'El Tif. Bon. Non. Bon, mais bon, c'est pas grave. C'était prévu dans ma version originale. La version longue. Pour rentrer dans le créneau. La version longue, avec la villa d'El Tif qui a été et qui reste, même d'ailleurs, je crois encore, un endroit de rencontre, un endroit de création artistique qui a été tout à fait remarquable dans l'histoire de l'Algérie après la Première Guerre mondiale et bien au-delà. Merci.